Bonjour chers spectateurs, je suis heureux de vous accueillir sur notre chaîne YouTube. Je suis Alexandre Souderev et dans cette vidéo nous allons vous montrer ce que font actuellement les ouvriers sur le chantier du BTOI Sovelmash. À présent, nous sommes dans une pièce qui est située à gauche de l'entrée principale du bâtiment administratif et technique, qui est intitulée la salle de contrôle. Là, vous pouvez voir les armoires d'automatisation qui ont déjà été installées et l'autre jour, les travaux y ont commencé pour la connexion du système d'extension d'incendie automatisé. Nous pouvons également voir un assez grand nombre de fils qui ont déjà été raccordés et nos spécialistes vont bientôt commencer à les tirer comme cela est prévu dans les documents du projet. Il y a beaucoup de bruit ici en ce moment, car de nombreux travaux sont parallèlement en cours. J'espère vraiment que vous pouvez m'entendre et que ce sera assez confortable pour vous de suivre ce reportage. Allons-y. Voilà, nous arrivons immédiatement au bureau de l'ingénieur en chef adjoint. Vous voyez que ce bureau est aménagé petit à petit. Son lieu de travail a déjà été installé et des armoires avec des documents et des archives ont été mises en place. Cela suggère que le bâtiment commence à vivre sa vie et que nous sommes sur le point de réaliser les objectifs qui ont été définis précédemment. Allons-y. Ici, nous pouvons voir qu'un grand nombre de structures de séparation ont déjà une apparence finie. Et il ne reste qu'à coller un film d'obscurcissement. En outre, vous voyez qu'actuellement, directement sous vos yeux, les ouvriers effectuent l'installation de panneaux décoratifs muraux. Eh bien, je ne veux pas les déranger. Alors, allons-y. Là aussi, les bureaux de travail sont progressivement remplis par des employés. Pour le moment, il ne s'agit que de placements temporaires de certains employés, parce que, par exemple, le bureau de l'ingénieur en chef a déjà été fixé dans le document du projet et lui obtiendra sa place de travail permanente. Mais ici, il ne s'agit qu'un emplacement temporaire. Cependant, à l'avenir, ces spécialistes pourront occuper leur bureau de travail lorsqu'ils seront terminés. Cependant, le placement temporaire du personnel a déjà été effectué. Je peux dire qu'il fait chaud dans ces locaux. De plus, c'est clair et c'est vraiment beau. Ici, parallèlement à l'installation des meubles, les ouvriers effectuent la connexion des ventiloconvecteurs. À noter que nous allons observer ce type de travail tout au long de notre vidéo d'aujourd'hui et cela probablement à plusieurs endroits parce que ces travaux sont maintenant l'un des plus actifs. Nous voyons déjà les murs peints et les portes cachées. Eh bien, nous n'allons distraire personne pour l'instant. Là, il y a un autre bureau de travail déjà aménagé. L'aménagement des toilettes est en cours et les ouvriers vont bientôt passer à la finition de ces locaux. Maintenant, les systèmes d'égouts et différents tuyaux sont installés. Vous voyez les panneaux muraux qui sont presque finis et le processus d'installation se poursuit sous vos yeux. La veille, des responsables d'installation des ascenseurs sont venus. La porte d'un des ascenseurs a été mise au niveau requis. Et à présent, cela nous permet de terminer le travail de finition sur l'installation des panneaux muraux et la pose du carrelage dans ces petites zones. Voilà notre chaufferie qui alimente le bâtiment administratif. Elle est maintenant en plein désordre. Pourquoi? Parce qu'on vient d'installer des systèmes de ventilation dans cette salle. Ce travail est également en cours dans tout le bâtiment. Ensuite, après avoir achevé ce travail, les ouvriers s'occuperont du nettoyage.
Cependant, il convient de noter que les spécialistes et la société Sauvelmash, ainsi que l'entrepreneur général et les sous-traitants, sont constamment engagés dans le nettoyage du territoire. Et parallèlement, nous réceptionnons un grand nombre de matériels de construction et un grand nombre de travaux sont en cours. Ah, voici Dmitri Doyonov. Venez, s'il vous plaît, Alexandre. Prenez une photo du régulateur de pression. Réinitialiser les données qui ont déjà été captées. En fait, nous avons reçu un mauvais régulateur et il faut en acheter un autre dans les plus brefs délais. Oui, j'ai compris, nous allons le faire. Voilà, vous voyez que parallèlement, nous effectuons des tâches. À présent, notre caméraman va vous montrer l'installation du système de ventilation et le calorifugage des conduites thermiques. Vous voyez qu'un assez grand nombre de tuyaux et d'autres matériels ont été apportés pour l'installation du système de ventilation. L'installation du système d'extension d'incendie automatisé est également en cours. Là, nous allons faire une petite pause. Voilà, nous continuons notre reportage du BTI Sauvelmash. Ici, vous pouvez voir l'équipement des sanitaires qui a déjà été livré. Par conséquent, comme nous l'avons dit plus tôt, nos toilettes vont très bientôt commencer à fonctionner. C'est un point très important pour la création d'une bonne ambiance sur les lieux de travail. Je vous rappelle que nous sommes dans le secteur de production. Là, nous passons très vite pour que vous ne puissiez pas voir des choses secrètes. Voilà, nous sommes près de la ligne de production. Notre ligne de production a déjà été complètement nettoyée lors des travaux de nettoyage généraux. Ces travaux ont été effectués par le personnel de Sauvelmash et je voudrais remercier toute l'équipe qui a participé car ils ont pu réaliser une tâche d'une grande importance. Je pense que ces travaux de nettoyage seront effectués assez souvent en raison du fait que les travaux de construction font toujours apparaître beaucoup de poussière et l'une des tâches les plus importantes à ce jour est l'élimination de cette poussière sur le site. Par conséquent, ces travaux sont régulièrement effectués. Allons-y. Là, il y aura assez de bruit. J'espère toujours que le son de ma voix sera audible dans cette vidéo et que vous pourrez entendre ce que je vous dis. Dans cette zone, vous pouvez voir des chemins de câbles et des barres omnibus installées. Et cela signifie que la connexion finale de l'électricité sera bientôt effectuée. Voici notre concepteur qui passe. Attention, s'il vous plaît, reculez, sinon vous allez être enfourché par notre chariot élévateur. Vous savez, quand je me trouve dans cet atelier, je vois tant de choses intéressantes que je ne sais pas par quoi commencer. Tout d'abord, prêtez attention à un assez grand nombre d'équipements spécialisés. Plus tôt, nous avons acheté ce chariot élévateur qui est maintenant très largement utilisé et aide à effectuer de nombreux travaux dans le bâtiment. Nous avons également acheté une machine à nettoyer d'une plus grande capacité, ce qui permet à son opérateur de profiter de la conduite dans l'atelier. L'installation de tous les équipements est également en cours. Allons là où les ouvriers sont en train de travailler. Le sol dans les endroits où le nettoyage automatisé est en cours commence déjà à briller. Le vernis de protection s'effacera avec le temps et le revêtement deviendra uniforme. Voilà, je ne sais pas si vous avez pu voir les étincelles qui ont volé ici. Il est à noter que dans le sol du premier étage, et puisque nous nous trouvons au rez-de-chaussée, pour nous c'est dans le plafond,
Alors, monsieur le caméraman, venez ici, faites attention. Voilà, dans le sol et le plafond, les ouvriers effectuent les canaux pour l'installation de systèmes de ventilation. Déplaçons-nous un peu car il est possible que des éléments puissent nous tomber sur la tête. Ici, vous pouvez voir au-dessus de nous un autre endroit spécial où un équipement de ventilation sera installé. Et voici Yana Teplova, notre employée du laboratoire Sovelmash. Allons-y. Des travaux très actifs sont en cours avec des tableaux électriques. Regardez à quoi ressemblent maintenant les chemins de câbles. Vous voyez que les connexions nécessaires sont effectuées. Il convient de noter que ce ne sont pas les premières images que nous tournons dans ces locaux et assez souvent cette salle a un aspect identique avec un peu de désordre. Pourquoi? Parce que si nous regardons de plus près, nous pourrons voir que les câbles sont progressivement plus nombreux ainsi que les connexions qui ont déjà été effectuées. La partie électrique du bâtiment est assez conséquente. Il y a tout ce qui pourrait être prévu pour l'organisation de notre activité. C'est donc un très grand front de travail. Allons-y. Cette partie du bâtiment est un peu plus calme. À présent, les ouvriers continuent l'installation de l'équipement. Je ne vais pas donner trop de commentaires. Eh bien, ici, nous voyons également que le nettoyage a déjà été effectué. Les locaux ont été nettoyés et préparés pour la mise en place d'équipements supplémentaires. Nous voyons également l'éclairage effectué et les travaux de finition actifs. Là, nous allons faire une petite pause pour nous déplacer immédiatement dans l'entresol qui est situé au-dessus du quai de chargement et déchargement. Vous pouvez voir les ouvriers qui sont en train de préparer l'installation du système d'alerte incendie. Par conséquent, nous pourrons travailler tranquillement. Sachant que dans le cas d'une situation d'urgence, nous ne manquerons rien. À présent, nous nous sommes déplacés vers le quai de chargement-déchargement. Nous voyons l'aménagement d'autres toilettes où le carrelage a déjà été posé. Ensuite, le système de drainage et l'installation de tout ce dont vous avez besoin dans cette pièce seront effectués. Allons-y. Les salles suivantes ont une apparence finie, ou plutôt une apparence presque finie. L'installation du système de chauffage est en cours. Et bien sûr, les travaux de finition se poursuivent également. Là, nous pouvons voir une caméra de vidéosurveillance qui a déjà été installée. En outre, les ouvriers s'occupent du système d'eau chaude et du système d'extension d'incendie, même si vous ne pouvez pas le voir. Et bien sûr, les murs prennent aussi leur apparence finale. Nous voyons qu'ils ont été peints et que les joints muraux ont été installés. Ensuite, il faudra effectuer les travaux nécessaires, faire un nettoyage général et ce sera achevé. Ce radiateur est très chaud. Celui-ci fonctionne correctement. On va réduire un peu la température ici parce que c'est vraiment trop chaud. Comme vous pouvez le voir, les murs des escaliers sont également terminés. Il reste à effectuer le nettoyage général et à les conserver dans l'état actuel car les travaux de construction et le déplacement du matériel qui est effectué par ces escaliers peuvent endommager certains éléments. Mais néanmoins, nous essayons de contrôler ces processus afin que tout soit intact. À présent, nous sommes dans un endroit où nous n'étions pas depuis assez longtemps. Il s'agit de l'entresol du premier étage, se trouvant au-dessus du quai de chargement et déchargement. Vous voyez que le carrelage a été partiellement posé. Ces locaux sont déjà prêts pour la pose du revêtement du sol final. Les murs de cet escalier ont été préparés pour la peinture.
Là, les ouvriers ont déjà effectué des structures en plaques de plâtre entourant les tuyaux de ventilation et d'autres locaux techniques. Nous voyons que l'installation des tuyaux de chauffage a également été effectuée ici. À noter qu'une grande partie de ces tuyaux ont déjà été raccordés au rez-de-chaussée au premier étage. Et dans le bâtiment administratif, ces travaux ont été complètement achevés. Il est d'ailleurs préférable de ne pas sauter depuis là, car c'est très haut. Mais dans cette pièce-là, il fait assez chaud, car il s'agit de la chaufferie qui se trouve juste en bas. Vous voyez un conduit de ventilation et une sortie de ce système sur le toit. Par conséquent, ce type de travail se poursuit. Je dirais que nous regardons tout cela d'en haut. Doucement, les tuyaux, ne tombez pas. Doucement, il y a d'autres tuyaux, ne tombez pas non plus. J'espère que vous pouvez m'entendre car il y a du bruit. Regardez ces chemins de câbles qui deviennent de plus en plus nombreux. Ils apparaissent déjà directement dans les ateliers. Bien sûr, il y a beaucoup de travail au deuxième étage et il ne faut pas l'oublier. Mais il convient de noter que le travail principal sur l'installation des murs a été effectué. Les fenêtres ont été installées, le câblage pour l'installation de radiateurs de chauffage a également été effectué. Les radiateurs ont été installés dans la plupart des locaux, les points de connexion électrique des systèmes d'alerte incendie ont également été effectués. Par conséquent, il s'agit d'un volume de travail réalisable. Et je pense que nous allons certainement l'accomplir et faire face à cette tâche. Le sol est également prêt pour la pose de la couche de finition. Bien sûr, nous devrons éliminer certaines choses, mais sur les chantiers, en particulier les grands chantiers, il y a toujours des nuances qui n'affectent pas grandement le résultat final, mais néanmoins, il faudra travailler dans cette direction. Ici, nous voyons à nouveau la pose du câble. L'installation de l'équipement de ventilation est en cours. Les structures de séparation sont temporairement démontées. Pourquoi? Pour pouvoir installer les systèmes de tuyauterie et les armoires de ventilation. Ici, vous voyez d'autres tuyaux. Là, de l'autre côté, les puits de ventilation ont déjà été montés et ils sont assez grands, comme nous l'avons déjà remarqué. Vous pouvez juger par vous-même par l'échelle des structures installées. Ici, tous les commentaires sont superflus. Eh bien, rappelons-nous des questions de certains de nos spectateurs de savoir pourquoi nous avons besoin de plafonds aussi hauts. Vous visualisez par vous-même la réponse. C'est pour l'installation de l'équipement. À la fin de cette vidéo, qui s'est avérée assez longue et j'espère que vous n'êtes pas fatigué de la regarder, je tiens à noter que la date limite de livraison du bâtiment à la Commission d'État est proche. Et maintenant, nous avons vraiment besoin d'accélérer sérieusement le rythme de la construction et de la mise au point de l'équipement. En passant, nous n'avons pas mentionné l'équipement laser, les machines d'outils, les centres d'usinage, les machines de fonderie. Tout cet équipement est progressivement mis en place dans les locaux du BTI. Il y a de moins en moins d'espace libre. Par conséquent, nous organisons ces entrepôts provisoires qui en fait ne sont même pas des entrepôts, mais c'est le stockage temporaire du matériel qui est utilisé dans les travaux en cours. Autrement dit, à présent, il s'avère que le stockage du matériel devient plus compliqué. Parallèlement à tout ce que nous avons vu, la mise en service des machines est en cours. Deux d'entre elles ont déjà été lancées, il reste des dernières étapes pour mettre en service le reste de l'équipement. Je pense que vous pouvez évaluer les volumes, le rythme et l'échelle des travaux en cours sans mes commentaires. Dans tous les cas, il reste encore beaucoup à faire, mais nous allons nous débrouiller. Cependant, pour que tout cela se produise encore plus rapidement, nous avons besoin de chacun de vous. Comment? Je pense que vous savez bien que je parle de l'investissement.
Merci pour votre confiance et votre soutien. Merci pour l'intérêt que vous portez à l'ensemble du projet et à nos vidéos en particulier. Merci encore et à bientôt.